Donc, mon papa, il a fait à manger, il a fait des pâtes et tout. Du coup, on a ramené à la plage, on mange. Hey, moi j'en veux. De quoi? Ça, c'est des pommes de terre. On en a tellement marre de manger dehors que aujourd'hui, on s'est fait un gros pique-nique. C'est pas un petit pique-nique genre sandwich et tout. On a ramené des pâtes, des spaghettis. Oh non, j'ai pas mon repas, je suis vraiment la moins aimée. Ils en ont rien à faire de moi. Bah non, mais toi, tellement t'as pris un truc de luxe, ça peut finir à un truc pareil. Hein. Diana qui a pris que des frites, hein, comme d'habitude. Bah oui, mais y'a rien en fait. Nous sommes actuellement à Ayia Napa, on va passer notre soirée ici. On a trouvé un quartier où il y a plein de magasins, plein de restaurants et tout. Donc voilà, on va vous montrer un peu ce qu'on fait, où est-ce qu'on mange, tout ça. On tient au courant. Ça a l'air d'être bon. On est dans un magasin, il s'appelle Giftland, donc ça veut dire cadeau machin. Et c'est hyper. C'est un truc que de petits trucs pour faire des petits cadeaux et tout. Donc franchement, c'est carré, mais bon. J'ai l'impression que c'est un peu perdu dans le magasin. Je ne cache pas. Oh, les tatanes. Les tatanes en 33 là. Là, je te mets une tarte avec ça là. Là, on est en train de faire une autre activité. On va être avec 4 autres personnes. On est dans un Range Rover et on est assis dans notre coffre. De 3 personnes là et 3 personnes ici. C'est trop drôle. C'est vraiment bien. À Ayia Napa, c'est magnifique, c'est vraiment vraiment magnifique. Il y a une grotte juste là-bas. J'ai trop envie d'aller à l'intérieur, mais on peut pas. Donc normalement, on va passer un bon moment today. On vous partage tout ça. Eva, tu vas toi? Ah, et moi j'y irai pas. Ah! Bon, là on est dans une grotte. Bon, là on est dans une grotte, c'est grave, il y a une grave peur, mais c'est grave. Ah, c'est quoi ça? Ouais. On est dans une grotte.
Bon là c'était notre troisième arrêt. Et son truc il a tout fondu, ça me dégoûte. Son chocolat fondu. Bref, attendez, regardez comment on est là. On est dans un endroit. Regarde ma quête. J'ai fait trois fois, après rien. Il y a quelqu'un qui me montre moi le niveau. Ouais, mais à 16h40, allez, faut qu'on s'arrête. Allez, vas-y, maman. Parce qu'il a dit quoi? Thank you.
Donc là, nous sommes dans un hammam marocain à Chypre. Fais attention. À Chypre, donc voilà. On va profiter d'un moment entre filles. Et on vous en dira des nouvelles après. On est tout mort. If you want, you can stay with your bikini, yeah. Or you can change with this one, okay? Okay? I will bring you one key later, just give me a second. Okay. Thank you. Bon, on vient de sortir, on est un petit peu, voilà, comme ça quoi. On va rentrer direct là, franchement c'était super. Ça nous a enlevé un petit peu le bronzage quand même, hein. Un peu beaucoup. Mais tant mieux parce que ça veut dire que demain on va grave bien bronzer parce qu'il faut gommer la peau avant de bronzer. Et là on va mettre de la crème et tout, on va ressortir ce soir. Ouais. Vous avez kiffé vous? Ouais, moi j'ai kiffé. Bon, ça. Madame, donc là on va faire un prank à un monsieur. Attention. Parce qu'en fait on n'a pas beauté de fou. On vous explique après. Déjà moi je dois être comme ça, je dois être moche déjà devant le mec. Parce que je vous expliquerai après. En mode, on disait ouais, si je la mets, Diana doit faire si je la mets. Et ils avaient dit ouais, si je la mets, c'est Diana qui avait dit ça. Elle avait dit ouais, si je la mets, Negin doit être hyper moche devant le mec et tout. Du coup, j'avais fait ma tête comme ça. Carrément, le mec il m'a dit ouais, tu viens de te réveiller et tout. Enfin, c'est trop gênant. Et moi, j'ai dit plus ou franchement, on était morts de rire. Vraiment, on est des gamines, mais on était morts de rire. Depuis tout à l'heure, on ne peut que jouer à ça. Depuis une heure, les gars. On n'en peut plus, ça ne nous indique pas.